Bonsoir tout le monde. Vous savez que je n'aime pas trop ce genre de choses à l'intérieur, tout ça. Bon, là, on sait. Bonsoir. Mais je voulais rassurer ou tous mes bonjour. amis et puis toutes les personnes qui me suivent. Voilà. Donc, ça va être la seule et unique vidéo. Ça ne va pas durer On a du tout. compris. Je suis au travail. Je suis venu. Et donc, comme tous les citoyens, je me suis plié à une procédure D'accord. normale. Il faut qu'on comprenne que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Et quand les gens se posent des questions, il faut absolument qu'on donne des réponses. Alors, je suis à mon bureau. Tout va très bien. Il y a une procédure normale qui a été suivie. Et puis, j'ai vu que la police de mon pays est professionnelle. Ils ont posé des questions. Ils ont demandé comment ça s'est passé, comment ça se fait que j'ai une âme et tout. Ils ont constaté que ce n'est pas une arme létale et que c'est ce qu'on utilise pour les peines, etc., etc. Et que je me suis retrouvé pris au milieu de ce genre de choses-là parce que vous me connaissez, je ne me prenne pas avec les armes. Et que, voilà, et ils ont voulu constater, et puis c'est quelque chose qui s'est passé depuis la journée. Et donc la police aussi doit vous montrer aussi à vous, les citoyens, à tous ceux qui nous suivent, qu'on est dans un pays de droit. Donc, il n'y a pas de problème, c'est une question qui a eu lieu depuis la journée. J'ai continué mes activités, je me suis plié à la loi parce que c'est important, il faut se plier à la loi. On n'a pas dit le la contraire. La loi du pays, c'est la loi de tout le monde. Un citoyen a des droits, mais aussi des devoirs. Tout à fait. Et donc, je voulais remercier ici toutes les autorités qui m'ont contacté. Il a le devoir de dire la vérité, Moula. N'importe quel citoyen, pour aller expliquer, il y a une procédure légale. Qui a eu lieu, et puis ils ont constaté que voilà, je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais j'ai dit aux gens aussi attention, à tous mes amis avec qui ont fait un peu de paintball. Pistolet, on a vu là, c'est pour paintball. Bassam ou sur Benjerville, il faut faire attention parce que c'est lié à. Voilà, il n'y a pas de problème, je suis au travail. J'ai fini, c'est depuis la journée. Bon, après, pour les secours amis, moi je suppose que c'est l'État. Donc, il n'y a aucun souci parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui m'appellent. Les gars, on est lundi. Tout va bien. Merci. Et merci pour tout le love. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Ils ont fait les vérifications. Surtout parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi et d'autres qui sont en dessous. Mais c'est tout à fait ça, Moula. Les procédures ont été suivies. Tout était propre. Et c'est terminé depuis. Voilà. Il y a longtemps. Je suis revenu travailler parce que j'ai pris beaucoup de temps. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je suis au bureau. Moi, je ne suis pas dans le direct. Vous me connaissez. Je préfère travailler et puis par les actes, prouver qu'on est là. Même pour vous dire, même où on est en train de parler, la Mercure est là. On est en train de programmer sa semaine. Demain, il sera chez Moulukoko. Allez suivre ça. Allez suivre Mercure chez Moulukoko. Demain, il va vous faire des démos. On est en train de préparer et puis on est en train de préparer les actions de nos clients. Donc voilà. Pour rassurer tout le monde, ça va très bien. Beaucoup de mes amis m'appellent de partout, mais ça va très bien. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les âmes. C'est un malentendu. C'est des gens qui voient quelque chose sur les réseaux sociaux et qui se permettent de dire et d'annoncer des choses. On va se permettre, Moula. La santé et qu'on est en début d'année encore, que Dieu vous apporte toutes les bénédictions que vous souhaitez. Merci à tout le monde. Merci à toutes les autorités. Ça s'est très, très, très bien passé depuis la journée. Que Dieu garde tout le monde. Bisous. Le direct est terminé. Je ne peux pas faire direct. Je ne peux pas dire vidéo. Ben, c'est moi et les produits. Merci. Moula, merci beaucoup. Voilà. Âme non a vu là. C'est âme de paintball. Ouais. Donc toi, tu te promènes, tu prends âme de paintball, tu mets ça dans ton dos, tu te promènes dans Abidjan là. Bateau là, vous avez fait paintball dessus. Ouais. En Côte d'Ivoire, il y a les uns, il y a les autres et il y a les à côté. Voilà. Faut pas chercher à... Je sais même pas pourquoi tu es venu te juger. Parce que ça là même là, c'est plus que foutaise même. Nous, on connaît pas arme de paintball. Nous ne connaissons pas pistolet de paintball. Donc, la police, hein, ils ont pris pistolet que tu avais dans ton dos là. Et ils ont dit non que c'est pour paintball. Sinon que j'ai fait la vidéo sur Moula là. C'est sur mon YouTube. Voilà. Nobécris. Allez-y regarder là-bas. Ou bien sur mon TikTok. The Queen of Immaturity. Mais en tout cas, Moula, merci. Paintball. C'est... Vous foutez des gens, hein? Seriously. C'est-à-dire vous vous payez la tête même des Ivoiriens. Même. Vous vous en fichez même éperdument.
que toi tu n'es pas trop les âmes. Aïe. Mais sinon que tous les Arafat avec les Mimi. De toute façon, on a vu. La police a fait genre. Hein? On a compris. Parce que le fait de dire que la police t'a interpellé, machin, tout ça là, c'est genre. On a compris. On n'est pas des idiots, hein. En tout cas, nous ne sommes pas tous des idiots. Il y a plein d'abrutis en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'idiots. Il y a plein de no sense. Il y a plein de moutons. Mais nous ne sommes pas tous des moutons. Nous ne sommes pas tous des abrutis. On comprend, on voit, on sait. C'est juste qu'on n'a pas la force. C'est pour ça qu'on s'était. Voilà. Voilà. C'est parce que nous n'avons pas la force qu'on vous regarde. Sinon, really, nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas des idiots. C'est entre vous ou bien. Sinon, c'est à quelqu'un qui n'a jamais fait pinball que toi, tu vas dire âme que tu avais là. C'est âme de pinball et puis il va croire. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de pinball, qui n'a jamais vu pinball, âme de pinball, qui va croire ce que tu es en train de dire là. Parce que pinball là, c'est des boules comme ça avec plein de couleurs. Tu as mis ça où? Dans où on met les balles là? Dans la charge. Tu as mis les boules de pinball là dans la charge. Toi, tes boules là sont comment? C'est comme des boules de billes. Ou bien c'est en forme de balle. Il n'y a pas de réserve. Ou bien la réserve là, c'est la réserve normale. Genre, toi, ton pistolet de pinball là, sa réserve là, c'est... Mon père faisait partie de l'armée ivoirienne. Oui. Bon, là, aujourd'hui, il est à la retraite. Voilà. Mon père était dans le corps des armées ivoiriennes. Donc, je connais. C'est pour ça que je dis, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait paintball. Et qui n'a jamais fait même paintball. Parce que quelqu'un qui connaît déjà les armes, là, sait. Qui a déjà vu une arme, sait. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait paintball. C'est à lui, vous allez servir salade, ça là. Salade que tu es en train de servir là. Et puis, il va manger. Mais anyway, c'est la Côte d'Ivoire, ou bien? Ma main écoute. Mes bras sont courts. Et c'est comme ça. Continuez. Voilà. En tout cas, les forces de l'ordre. Merci. Hein? Mola. Merci de te foutre de certains Ivoiriens. Parce que c'est foutaise même, sérieux. C'était mieux même si tu disais rien. Que c'est âme de paintball. Et à tous mes camarades avec qui on fait paintball là, attention. Les gens ont vu. On va parler ce qu'on a vu, on parle. Même si on parle que on sait que ça va rien donner parce que ça ne donne rien toujours, mais on parle quand même. On voit, on va parler de ça. On sait, ça ne va rien donner parce que vous vous êtes arrangé entre vous. Mais nous, on a parlé. C'est déjà l'essentiel. Donc, merci. Hein? Bon peintre.